se rend compte que le match ne se joue pas. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? C'est vrai qu'on ne souhaitait pas démarrer. Donc les documents n'existaient pas. On a appelé la ligue à travailler. La ligue a demandé l'argent. On a attendu pour qu'on nous envoie les documents. On a attendu 15 minutes, on a même attendu 20 minutes. Vous étiez là, vous êtes témoin. Rien n'est arrivé. Donc nous avons demandé aux amis de prendre des décisions. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient jouer avec les joueurs qui ne peuvent pas être identifiables. C'est ça le problème. Ils sont 11 entrants, des hommes qui ne personne ne peut les identifier. Les habitants ont dit qu'ils ne peuvent pas jouer dans ces conditions. En sécurité, le reste, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'éléments formels d'identification des acteurs. Là, on arrive.